Il y aura donc Argentine et Colombie. Ça se déroule en territoire américain, mais quand même, il y a une certaine logique qui est respectée. Ce sont deux équipes sud-américaines, hein, ceux qui ont quand même inventé cette compétition qu'est la Copa América, qui se retrouvent en finale. Et ce sont donc ces deux équipes. Alors, on attendait l'Argentine, bien sûr, championne du monde et tenante du titre. Mais par contre, la vraie surprise, c'est sans doute celle de la Colombie, qu'on ne s'attendait peut-être pas à voir à ce niveau, même si les Cafeteros se débrouillent plutôt bien dans la phase éliminatoire en vue du Mondial 2026. Ils sont troisièmes. Ils n'ont pas joué de finale depuis 2001 en Copa América. Et justement, 2001, c'est l'année où ils ont remporté leur unique titre. Est-ce que, comme David Finzel les a appelés, les planteurs de café face aux buveurs de maté peuvent faire la surprise, Xavier Barré? Oui, bien sûr. Ils sont sur une série de 27 matchs, toutes compétitions confondues. 28. Oui, bah, vas-y, 27, tu sais, bon, c'est l'ordinateur, bon, vas-y. On n'est plus à un match près. Non, mais ils sont sur une série d'invincibilité incroyable, avec un entraîneur argentin d'ailleurs, Néstor Lorenzo, donc qui connaît bien ses adversaires. Ils ont une équipe très solide. Ils ont toujours des entraîneurs argentins pratiquement, hein, les Colombiens. Oui, pas que, puisqu'il y avait sept entraîneurs Pekerman, argentins. Notamment, qui est resté très longtemps. C'est un peu leur filiation. Il y avait sept entraîneurs argentins sur les 16 équipes engagées dans cette Copa América. Donc du coup, ils ont beaucoup de certitudes. Ils ont des équipes souvent très solides avec des joueurs très costauds derrière, devant aussi avec notamment John Cordoba, par exemple, cet avançant très puissant. Et puis ils ont un artiste qui est en pleine résurrection, c'est James Rodriguez. On retrouve le James de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, où la Colombie avait été déjà très forte, seulement éliminée par le Brésil en quart de finale, ou en huitième. Et donc cette équipe de Colombie a tous les atouts pour déranger l'Argentine, mais l'Argentine, il y a Messi. Manu, peut-être la surprise dans cette Copa América, c'est que la Colombie ait éliminé l'Uruguay, qui semblait être, par le jeu développé au moins au début de la compétition, avec Marcelo Bielsa, on les voyait arriver en finale. Et c'est un des moments sans doute importants pour la Colombie, un peu comme on dit que l'Espagne a éliminé l'Allemagne, hein, à domicile. Et là, on sent qu'on avait l'impression que l'Uruguay, puis finalement, ça n'a pas marché. Non, c'est exactement ce que j'ai pensé, même que toi parlais de l'Espagne, j'ai fait ce parallélisme. C'est une équipe qui joue très bien. On connaît James Rodriguez, mais les restes des joueurs, ils ne sont pas super connus quand même. Luis Diaz quand même. Oui, Luis Diaz, mais après, quand tu parles de John Cordoba ou de Muñoz, l'arrière aussi, même s'il a voulu les cartons rouges, ils sont un peu moins connus. C'est là d'ici aussi que tu vois une évolution dans les tournois, des faits qu'ils sont parvenus faire un match nul contre le Brésil. C'est le Brésil, et ils sont puis arrivés à battre l'Uruguay. Moi, après le match qu'ils ont fait, les matchs précédents, je voyais qu'ils avaient la possibilité quand même de battre l'Uruguay, même si je voyais l'Uruguay comme champion. Donc, je crois que tout ça, ils sont grandis, ils sont beaucoup grandis pendant tous les tournois. Ils ont une bonne place, ils ont la capacité pour battre l'Argentine, mais après, tu regardes l'Argentine, les joueurs, les stars qu'ils sont. L'expérience, pour moi, ça, c'est la différence par rapport à la finale en Europe. La différence d'expérience de deux équipes. L'Espagne, ils n'ont pas trop d'expérience, ce sont des jeunes joueurs, mais qui ont une forte expérience avec ces clubs. Avec les Colombiens, c'est bien qu'on entend Rémi, parce que je me rappelle, on avait eu ce débat-là ici et que Rémi nous avait expliqué que l'Uruguay était le grandissime favori de la compétition et qu'ils allaient gagner probablement la Copa América. Et j'avais dit qu'attention, je ne suis pas sûr. J'avais dit que ce que Rémi se trompe jamais, pourtant. Était déjà c'est bizarre, bien. Ça. Rémi se trompe jamais, Rémi, normalement. Ils nous disent aujourd'hui, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait face à la Colombie? D'autant plus qu'ils étaient à 11 contre 10, Rémi, normalement. Une grande équipe comme l'Uruguay, normalement. Rémi, est-ce que c'est James, l'ancien du joueur Real Madrid, qui a pu renverser les choses? D'abord, il est le meilleur joueur de la compétition avec six passes décisives. Il a un nombre de chiffres records. 6 passes décisives, 8 actions menant à des buts, 14 passes importantes, 23 actions menant à un tir. Bref, c'est théoriquement, sur le papier, avec les statistiques et tout, le meilleur de la compétition. En même temps. Benjamin, je voudrais répondre à cette question, ce n'est pas un hasard. Parce que même si j'avais trouvé que l'Uruguay était parmi les favoris, je n'ai jamais écarté la Colombie, dans la mesure où justement, depuis mars 2022, la Colombie n'a pas perdu de match. Ouais. Et dans la mesure où
La Colombie a battu cette Espagne, que nous sommes en train de féliciter en Europe. La Colombie a battu, a écrasé la Roumanie. La Colombie a détruit, je crois, les États-Unis 5-1, le 8 juin. La Colombie, par exemple, a même battu le Brésil avant. Depuis 2022, elle gagne tous ses matchs. Voilà. Donc, et quand vous regardez d'ailleurs, en phase de poule, même devant le Brésil et le Paraguay, c'est la Colombie oui. qui a fait la meilleure prestation par rapport à l'Argentine qui a eu toutes les difficultés oui. à battre peut-être le Canada à l'aise avec le Chili, à l'aise avec ceci et cela. Donc, aujourd'hui. Il se rattrape, hein. Il se rattrape pour ah non, mais. Il se raccroche, hein. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que vous pouvez citer des belles stars et ceci et cela, mais ce ne sont pas les stars qui font une équipe. C'est que, en fait, aujourd'hui, vous avez vu quelqu'un qui a reconstruit aussi autour. Comme on disait, Rames Rodriguez. Peut-être qu'on va y revenir, mais les stars d'Argentine, c'est vrai que c'est 21 champions du monde qui sont là, qui viennent et tout. Mais quand on voit ce qu'ils ont eu à jouer jusqu'à présent, je n'ai pas été impressionné. Oui. Alors, il y a un proverbe africain qui dit on ne construit final, hein. pas. Ah oui, mais on ne construit pas des châteaux avec des pétales de rose. Allez, on termine avec vous, Benjamin, parce que cette équipe d'Argentine, il y a aussi beaucoup de critiques sur un tableau qui a été fait de telle manière que eux, ils n'ont rencontré personne. C'est le tirage. Oui. Le tirage, on va dire ça. Mais en tout cas, toutes les grandes équipes étaient d'un côté et l'Argentine était toute seule de l'autre. La France aurait pu aussi être de l'autre côté. Peut-être, hein, à l'Euro, peut-être. Hein. Mais est-ce qu'on sera en train de dire ça aujourd'hui? Mais surtout, ça se jouera en plus dans le jardin de Messi. En fait, tout est fait pour Messi comme au Qatar. Oh là là. Malgré tout. C'est même ça aujourd'hui. Je me suis rendu compte que l'équipe type de la Copa América, qu'est-ce que les gens là ont fait? C'est-à-dire que James Rodriguez a été désigné 4 fois homme du match, mais dans l'équipe type, c'est Messi qui est là, on oublie la maison. Mais les équipes types, mais non, c'est Messi. Équipes types, on s'en fout, allez, les équipes types. Avec Benjamin, ce qui compte, Benjamin, c'est la finale. Argentine-Colombie, c'est l'Argentine qui gagne. Bah oui, parce que forcément, vous savez tous que j'ai un penchant du côté de Messi et que j'ai peut-être des origines argentines, j'en sais rien. Mais, tu as vu un noir jouer là-bas. Non, mais après, je pense que comme Xavier le disait, l'Argentine a avec ces joueurs qui ont été champions du monde et puis ils ont la possibilité de la gagner une seconde fois, cette Copa América qu'ils ont déjà gagnée la précédente. Ils veulent un triplé inédit, tout le monde veut un truc inédit de toute façon. Ils ont beaucoup de joueurs d'expérience forcément, je pense que ça compte aussi quand on arrive à ce moment lors d'une finale. Bien sûr que maintenant la Colombie c'est aussi une très très belle équipe. Allez, avant de passer au carton, un pronostic? Bah, je l'ai déjà dit. Argentine. Hein. Ah oui. Non, je pense que l'Argentine va gagner. Ouais, en plus, il n'y a pas de prolongation. Là, c'est, on passe du match au tir au but, ça va plus vite. Comme ça, pour nous, on ne se fatigue pas. Manu ? Moi, je pense l'Argentine, mais je vais dire la Colombie 1-0. Allez, pour changer un peu. Allez, Rémi, l'Argentine, et puis c'est bon. 2-1 pour la Colombie. Argentine-Colombie, c'est une finale qui s'annonce vraiment très intéressante. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de faire l'analyse d'avant-match dessus Argentine-Colombie. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici nous on est passionné par le foot. Le foot c'est notre passion. Donc si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et c'est tout, on est parti. Alors les gars, Argentine-Colombie, quelle finale. C'est une finale qui s'annonce intéressante les gars. D'un côté, tu as une équipe argentine qui est vraiment très très solide et en plus qui prend très peu de buts. La Colombie aussi, c'est une équipe très offensive. C'est une équipe qui a marqué beaucoup de buts. D'ailleurs, on va voir ça dans la partie statistique. Donc, on va commencer par rappeler là où les deux équipes reviennent. L'Argentine était dans la poule du Canada, du Chili et du Pérou. L'Argentine est sortie premier de sa poule sans prendre le moindre but. Premier de sa poule en gagnant tous ses matchs. 9 points pris sur 9. De l'autre côté, tu avais la Colombie. La Colombie qui était dans la poule du Brésil, le Grand Brésil, Costa Rica et Paraguay. Et la Colombie a quand même réussi à sortir premier de sa poule devant le Brésil. Ça, ça souligne. La Colombie est sortie premier de sa poule devant le Brésil avec 7 points, 2 victoires et un match nul d'ailleurs contre le Brésil, un but partout.
En termes de buts marqués, on est déjà dans la partie stats, buts marqués. L'Argentine, c'est 8 buts marqués. La Colombie, 12 buts marqués, les amis. 12 buts marqués en combien de matchs? En 5 matchs, puisque la Copa América, il n'y a pas les 8e de finale. Dès que vous jouez les 3 matchs de poule, vous tombez directement en quart de finale. Et ensuite, demi-finale, finale. Donc, en 5 matchs, la Colombie, c'est 12 buts marqués. 12 buts marqués en 5 matchs. C'est énormissime. On est environ à 2,3, 2,5 buts par match, un truc de ce genre. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts. De l'autre côté, je l'ai dit, l'Argentine, c'est 8 buts marqués en 5 matchs. Donc, ce n'est même pas 2 buts marqués par match. En termes de buts encaissés, l'Argentine, c'est seulement un seul petit but encaissé. Un seul petit but encaissé. Pendant ce temps, la Colombie, c'est 2 buts encaissés. Donc, il n'y a pas trop d'écart en termes de buts encaissés. L'Argentine a fait un parcours honorable. Ils ont joué le premier match contre le Canada. Ils ont battu le Canada 2-0. Premier match. Deuxième match contre le Chili. Ils ont battu le Chili 1-0. Troisième match, c'était contre le Pérou. Ils ont battu le Pérou 2-0. Ensuite, ils sont arrivés en quart de finale. Ils ont fait un but partout. Ils ont gagné au tir au but contre l'Équateur en quart de finale. Ensuite, demi-finale, c'était contre le Canada. Le Canada d'ailleurs, qui les avait rencontrés en phase de poule. Ils ont rebattu ce même Canada 2-0. Le parcours de la Colombie. Colombie, premier match de poule, 2-1 contre le Paraguay. Deuxième match de poule, 3-0 contre le Costa Rica. Troisième match de poule contre le Brésil. Un but partout. Ensuite, ils sont arrivés en quart de finale. Je vous ai dit ici, la Copa América, il n'y a pas les huitièmes de finale. Donc, dès que tu joues tes 3 matchs de poule, si tu es qualifié, tu tombes directement en quart de finale. En quart de finale, donc, la Colombie, ils ont battu le Panama 5-0. 5-0. En demi-finale, ils ont battu l'Uruguay 1-0 en infériorité numérique. En étant en infériorité numérique, je rappelle que la Colombie a pris le carton rouge à la 45e minute, donc presque à la mi-temps. Ils ont joué toute la seconde partie étant en infériorité numérique à 10 contre 11. Malgré ça, ils ont quand même gagné. Ils ont gagné en étant en infériorité numérique. Ça, c'est aussi à mettre à les crédits. Donc, moi, je trouve que si on veut voir sur la forme du tournoi, pour moi, la Colombie peut vraiment embêter, ils peuvent embêter l'Argentine, les gars. Ce n'est pas un match gagné d'avance côté argentin, loin de là. Pour ceux qui pensent que l'Argentine va se balader, moi, j'ai un doute, puisque cette Colombie-là, c'est très forte. C'est très forte, les amis. Ça a embêté le Brésil, hein. Ça a embêté le Brésil. Donc, la Colombie, c'est une équipe vraiment à prendre très au sérieux. C'est une équipe, pour moi, qui va sérieusement embêter l'Argentine. Après, certains diront que Messi, s'il remporte la Copa América, il sera ballon d'or, etc. Les amis, pour moi, ça s'annonce vraiment très, très compliqué, puisque Jude Bellingham est en finale. Jude Bellingham, les amis, pour moi, les gars, c'est le grand favori actuellement pour remporter le ballon d'or. Surtout que il a remporté la LDC. Donc, une fois que tu as remporté la LDC, tu fais un bel euro, bah, tu es le grand favori. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire, ça sera très compliqué pour Messi. Dis-moi tout, et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Sinon, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.